Eh bien bonjour à tous et bienvenue à ce jeu. Mon nom est Monsieur Doob et ce jeu de Long Dark. Alors, je fais deux épisodes pour vous cette semaine. Donc celle-ci que je vous présente qui sera l'épisode 1 de la tentative de survivre plus que 5 journées. Ensuite, j'en ferai, donc celle-ci sera présentée pour vous lundi. Donc de cette semaine et la deuxième épisode que j'enregistre pratiquement un en arrière de l'autre sera présenté ce jeudi. Alors les heures vont être la même chose puisque les deux vont être déjà uploadés à YouTube et puis j'aurai juste besoin de céduler les heures à faire. Comme ça vous allez en avoir une au début de la semaine, une pratiquement à la fin de la semaine. Et puis avec ça, bien, ça vous tiendra occupé pour les gens qui aiment bien regarder The Long Dark. Je tiens bien sûr à remercier Mika. Parce que Mika, c'est... je pense que c'est vraiment un adepte de Long Dark. Et m'a donné beaucoup, mais beaucoup de trucs aux derniers épisodes, évidemment. Et puis... Alors, je tiens à le remercier. Écoute, c'est énormément apprécié. Et deux aussi, il va y avoir des choses que je vais appliquer, d'autres choses que j'appliquerai pas. Pas parce que je suis vraiment têtu pour ne pas les appliquer, mais soit que j'aurai pas l'opportunité de les appliquer immédiatement. Mais il y aura aussi des moments où est-ce que je tiendrai pas à appliquer tous les trucs que tu m'as remis parce que. Soit que je vais peut-être considérer que c'est peut-être pas le moment opportun de le faire et ainsi de suite, mais je vais quand même bien réfléchir parce que, entre moi et toi, si j'aurais été capable de survivre 400 jours, j'aurais pas besoin vraiment de trucs et puis et ainsi de suite. Fait que, donc, j'en ai de besoin. Alors, écoutez, on va arrêter de jaser ici. Alors, on s'en va... Oh! Attends un peu. Non, c'est correct. Nouvelle, oui, ça va. Écoute, Mika, je me souviens que je t'avais demandé si c'était normal dans le monde de mode tracker que j'aie un sac à couchage. Versus peut-être voyageur, pèlerin, j'ai jamais joué. Voyageur, je sais qu'on l'a, et ainsi de suite. Alors, toi, tu m'as répondu oui, tous les niveaux, il l'a. Alors, petite correction, parce que j'étais pas certain de la réponse à 100%, mais j'ai été voir ici le mode intrus. J'ai joué, je pense, comme 5 heures. Ben, pas 5 heures de jeu, là, mais 5 heures de vie, là, de survie, parce que le restant, c'est vraiment trop difficile pour moi. Et il n'y a pas de sac à couchage dans intrus. Alors, j'avais des doutes, là. Mais j'ai dit, c'est quoi, on va l'essayer, parce que s'il y en a un, ben écoute, on va pouvoir peut-être passer en intrus tout de suite. Mais non, il n'y en a pas. Et puis, intrus, c'est trop difficile. Puis d'ailleurs, quand tu choisis intrus, c'est vraiment ton une apparition à la map. Elle est aléatoire. Tu peux même pas choisir l'option aléatoire, OK? Alors, donc ça, c'est ça. Mais nous, on choisit tracker. On avait dit la dernière fois qu'on allait aléatoire. J'avais pensé d'aller où? Où? Là. Ici. Parce que je connais bien cet endroit-là. Mais on va y aller aléatoire. On va y aller aléatoire, puis on va voir. On va voir. OK? Et puis, évidemment, je vais continuer mon style de jeu, qui est de... explorer, j'adore explorer même dans ce jeu-là. C'est comme, tu peux pas savoir comment. Donc ça, c'est ça. Ah ben tiens, on va s'appeler Sandbox 1 cette fois-ci. Thanks. On débute. À cause... Ah, c'est toujours la même chose, hein? Toujours les mêmes écrits. Combien de temps je vais survivre? Ben j'espère que je vais survivre un petit peu mieux. Ou un petit peu plus longtemps. Mais je pense que qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois, ben, je pense. Il y a quelquefois du courage à vivre. Oui, oui. Ça, c'est sûr.
Ok, là, c'est première des choses, j'ai aucune idée où ce que je suis, à part que là, je suis dans une forêt. Hey, ça serait-tu capotant, même si on m'a donné 1000 tonnes? Non. Tant pis, c'est pas trop pire parce qu'on est mi-matin. Ouais, c'est ça, je dirais, ça serait-tu capotant, même si. Hein? J'ai été dans 1000 tonnes. Mais, mis à part de ça, c'est ça. Je pense que la grosse erreur. La grosse. Ah, c'est pas ça. Je fais toujours comme le F ou le E pour ramasser. La grosse erreur a été que j'ai été trop gourmand. Trop gourmand. Je connais ça, ça ici, mais je suis pas tout à fait certain. Fait que j'aurais pu garder ma gourmandise, si tu veux. Mais il aurait fallu que j'arrête peut-être plus dans la grotte. Ok, est-ce que toi tu connais ça, cette map-là ici? Est-ce que... Ah ben oui. Ah ben oui. Je suis dans Milton, man. Eh ben. Qu'est-ce qui est pire, c'est que... Ben là, qu'est-ce qui est pire, c'est pas qu'est-ce qui est pire, mais j'ai pas de hache. Ah oui, puis tu m'avais dit... Celle-là, j'étais au courant de dessiner la map. Mais la raison pourquoi je le faisais pas, c'est que... Ben ça, là, ici, première des choses. Mais je sais que ça me donne les choses qui se trouvent alentour. Puis là, quand tu fais map, puis t'agrandis... Ben oui, ça, j'étais au courant de ça, mais... Comme je te dis, c'est que je l'appliquais pas... Je suis pas sûr que je vais l'appliquer tout le temps non plus. Parce que... Ben souvent, ben là écoute, je suis dans Milton, man. On la connaît la map là. Je sais pas hein, si le jeu est programmé comme ça, dans le sens que même si c'est aléatoire, ils vont te donner une map. Qui te rend la vie facile. Toujours les maudits petits sillons en cuir. Tu peux-tu me donner d'autres choses que ça, s'il te plaît? Ok, on va aller voir. Ah ben, je suis ici, là, fait qu'on va aller faire un petit loot. On va aller à l'église de Saint Christopher. Ah, ben tu vois, regarde, c'est bon, j'ai déjà un plat. Oui, et puis ton autre truc était aussi de prendre toutes les linges possibles. Et puis ça, je suis d'accord avec toi. Jusqu'à un certain point, parce que souvent, mon poids n'est pas... Je veux dire, je préfère avoir... Mon poids, oui, you could use it. OK. Ouais, fait que je préfère avoir un poids plus... Comment je pourrais dire? Je préfère être plus pesant avec les brindilles d'arbres que d'être pesant avec le linge que j'apporte. Tu comprends? Ok. Oh oui. Les bas. Et puis, la réparation du linge, ça aussi, t'avais raison. Des fois, j'ai tendance à l'oublier. Is it food or... Yeah, it's food. 89% et... Puis, si je ne me trompe, t'avais dit... T'as un peu, je lis un peu ton commentaire. Oui, ok, donc... jette celles qui ont moins de 25%. As-tu celles qui étaient même pour moi? Comme 30%? Ouais, je m'en occupais pas vraiment. Parce que c'est tellement plus difficile
de gérer ta santé, ta, quand t'as des parasites, là. Bon, y a rien, hein? Ok. Mais je pense qu'il y a un gros vent dehors, par contre. Non, c'est juste... C'était plus bruyant que ça l'est présentement. C'est quoi la... Oh! 20 degrés. Nice. Puis c'est quoi mes affaires? Risque de gelure, ouais, à la main. Non, au torse. Et puis risque d'hypothermie à la main. Nice. Nice, déjà. Même pas comme... Bah, ça fait à peu près quoi? 10 minutes là qu'on est dans le jeu. Tu sais, fait que je préfère moi toujours de ramasser plein de petites brindilles. Puis je vais peut-être essayer aussi de moins m'occuper du fait que je passe plus de temps dehors qu'en dedans. Je vais quand même essayer bien gérer les deux. Ah, puis Mika et Monsieur Levy, parce que je pense que vous êtes les deux là, qui écoutent. Dites-moi, vous autres, où est-ce que vous en êtes rendu? Ben, toi, Mika, parce que, écoute, tu, je sais pas là, si tu continues à jouer le jeu ou si tu te juste tu te divertis en me regardant faire mes niaiseries. Ou bien, tu joues... parce que moi, c'est des fois, c'est ça, j'avais... ben, je regarde un YouTuber, il sort peut-être un vidéo, mais lui, il joue dans... ben, c'est anglais. Mais il joue quand même dans le mode de intrus. Et... je pense qu'il est rendu... son dernier vidéo, il était rendu au 29e vidéo qui représentait... Est-ce qu'ils sont les loups? J'ai choisi Tracker, hein? J'espère que j'ai choisi Tracker. Ouais, fait qu'il représente... non, je pense qu'il est rendu comme à la 65e journée de survie. Et puis, ça, c'est une autre erreur que je pense que je fais. C'est que je le regarde, lui, jouer à son niveau. Puis j'essaie de copier un peu son style de jeu. Mais... pas prendre en considération que finalement, son style de jeu, c'est que lui, il joue... sur un mode... Je les entends, les loups. Ils jouent sur un mode très différent. Alors, les décisions qu'il prend... sont plus ou moins basées sur la... sur son style de jeu, puis en même temps, et sur son niveau de jeu. Oui, puis de bonnes secondes. Ok, je pense que c'est mieux là. J'avais un genre de petite affaire dans la gorge. Donc ouais, c'est ça. Fait qu'il joue son jeu, patati patata. Fait que ça serait peut-être aussi à corriger de ma part. Mais oui, qu'est-ce que je voulais compléter, c'est que la quand le premier loup m'a attaqué à la dernier épisode. Hope nobody needs this anymore. Non, you're gonna take it. Et puis, je pense que c'est ça, j'ai complètement oublié, man, mais c'est débile parce que même après avoir regardé le vidéo en le formatant, je me suis dit, mais c'est comme tu ne mets même pas en action ta défense. C'est comme tu te laisses manger. Tu sais, t'as pas trop intelligent à l'affaire. Fait que là, c'est sûr que je vais essayer de pas répéter cette erreur-là. Wonder if this is any good to eat. Yeah, it's all good.
Ah oui, puis tu avais mentionné aussi... ça, celle-là, par contre, je pense que je le ferai pas. Mais écoute, on verra bien, on verra bien. Et pour story, ben, les items que j'emmène avec moi, tu sais, que tu disais, tu peux les mettre dans les cabinets, je pense que tu avais utilisé comme expression, quelque chose du genre, mais je suis pas certain. Et puis... puis là, j'imagine, parce que tu m'as vu de le mettre sur le comptoir... ben moi j'aime ça le mettre sur le comptoir. C'est une question de préférence, hein. Ça... elle a vraiment une grosse... aucune importance. On peut pas en emporter deux, hein, le foulard. Ben oui. Mais c'était pas comme ça que je voulais le porter, par contre. Bon, t'as pas une hache ici, toi? As-tu comme les papiers, là, les piles de papier, ça, là? Oh, les mitaines. Je les ramasse jamais. 21%. Tu vois, celle-là, si j'y pense... Ouais, ça, ça serait une que j'aimerais réparer. Is it food or... 54, c'est bon. Oui, c'est food. Ben oui. Demande pas la question, mais prends. On examinera ça après. Habituellement, il y a des linges ici. Mais là, il y en a pas. Mais je sais que c'est le... je sais que le loot est très aléatoire. Là. C'est pas parce que tu... ah, pied de biche par contre, il est ici, parfait. Ben ça on va le prendre pour l'instant parce que j'ai pas de... j'ai rien d'autre là. Bon, ok. Ouais, l'injection de stéroïdes. Y en a-tu des, encore? Vu que peut-être que les stéroïdes, là, vu qu'ils ont peut-être remplacé par le... Oui. I'm so cold. Ah ben là, arrête de te plaindre. Vu qu'ils ont remplacé... ben, pas remplacé, mais qu'ils ont ajouté une boisson énergisante. Est-ce que les stéroïdes sont toujours là? Mais c'est cool, mais il n'y a pas un loup. Tu te souviens la dernière fois qu'il y avait comme des loups, man, partout. Oh, 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 oh. J'ai oublié. J'ai oublié. Ça, ça faisait partie d'un de tes trucs que je savais, là, mais que j'appliquais pas. Mais là, on va l'appliquer. Ha! Bon, ça là, ça me fait assez capoter, man. Tu peux pas savoir. Tu te donnes la peine de revenir sur tes pas en plus. Mais je dois admettre, hein. Ben, c'est comme dans Subsistence aussi, mais écoute, Subsistence, ça fait tellement longtemps même que j'ai pas débuté un jeu. Ah. Mais, ouais, fait que, écoute. À chaque fois que tu débutes, là, une nouvelle partie. C'est peut-être un peu pour ça aussi que j'aime mieux cette... ce mode de jeu, donc mode de survie, comprends, au lieu de... Tu sais, oui, ça me dérange pas que je trouve rien parce que j'étais dans les environs. Ben, j'étais là, là. Mais quand t'es obligé de revenir, puis que tu trouves rien, ah, que c'est choquant. Puis dis-moi, Mika, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait un endroit quelque part ici. Où est-ce qu'on pouvait grimper une corde?
Et puis, on se trouvait à être au-dessus des montagnes là-bas, là. Lui, il se trouve pas. Non, il est busté. On trouve jamais rien hein, sur les pare-soleils, mais... c'est juste en cas qu'à un moment donné... les devs décident de mettre quelque chose en dessous de ça. I could use this. 51%, yes you can. Tiens, puis les autres sont mouillés de toute façon. Tiens, porte. Je me souviens quand j'avais débuté la première fois le jeu. Tu te souviens, dans le mode histoire, on devait accumuler du bois pour la vieille dame. Écoute, je t'ai venu ici pour couper le bois, mais je sais pas combien de temps que ça me prend. Je pense que c'est comme 4 ou 5 heures, toute cette palette-là. J'ai juste inutile de te dire que j'ai définitivement pas survécu à cette tentative-là. Ah, peut-être que le fait que j'ai pas d'odeur sur moi fait aussi qu'ils ne viennent pas me voir. Hein? Parce que j'ai pas encore accroché un lapin. Je l'ai-tu demandé tantôt si vous jouez au jeu, Mika et Monsieur Levy? Si oui, marquez-moi là dans les commentaires. Dites-moi où est-ce que vous en êtes rendu. Je me souviens pas si j'ai mentionné ou pas. Excuse. Ouais, le premier loup est en avant. Fait que nous autres, on va passer par en arrière. Ils ont pas peur de ce balcon ici, hein, en passant, fait que... Je sais pas qu'est-ce que la maison de Milton a là si spécial par rapport aux autres, là, mais... Ils ont définitivement pas peur de cette maison ici. Tu sais, moi j'aime bien ça quand je les mets ici, ces affaires-là. Je sais pas pourquoi, là. Au lieu de les mettre dans les... Bon, on farfouille. Tout seul, on devrait être capable d'utiliser pour faire du thé.
Bon, donne-moi deux secondes. OK. Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. J'ai-tu fait la poubelle? Oui. Thank goodness. More water. Combien d'eau qu'il y a? 1.5. Ben là, pour l'instant, anyway, c'est pas désastreux, là, c'est... Ah! Tu vois? Le fusil, déjà. Pas de balle, par contre, mais on a le fusil. Oh! Alors, ça, ça l'offre. Et puis, c'est celle-là aussi, Mika. Question pour toi, tant d'experts de jeu. Quand je lis là, dans le sprinting, donc pour la course à pied, c'est marqué moins 3. Est-ce que ça, ça veut dire que ça m'enlève de l'agilité? Donc, je tombe à moins 3%? Ou bien... Pas parce que c'est en... Donc, tu sais, c'est un négatif positif dans le sens que vu que je mets un pantalon pas trop pesant, quelque chose du genre, est-ce que tu suis, qu'est-ce que... Ça fait-tu du sens? En tout cas, si tu as une chance, tu réponds. Je vais déchirer un peu de choses parce que ça, ça me permet de me réchauffer. Donc, mon risque est à 25%. Ça, il est bas. C'est correct. La soif, la faim, fatigue. On est bon. Puis encore la chaise. Elle ne fait capoter. Ça, j'allais pas fier, je pense, hein? Ah oui! D'autres questions? J'en ai des questions, hein? Bon, pour les boyaux qu'on a fait sécher. La première tentative. Est-ce que si je les mets à côté d'un feu, est-ce que ça fait en sorte que ça va être plus vite? Pour sécher. Je veux dire, je vais faire l'expérience. Si tu le sais pas ou si tu t'adonnes pas à écouter les deux vidéos, je vais en faire l'expérience. Mais quand même, si tu mettons, tu as l'opportunité de le savoir. Fourrure de lapin séchée. Ben, gagnons ça, toi. munitions pour le fusil. Oh! Ah ben oui, ça c'est pour le fusil de chasse. Écoute, j'avais pas fait ça moi la dernière fois, j'avais pas pris ce tissu là. Hey, tu t'imagines? Bon, trousse, ça va. Pile de papier, pile de papier. Je vais l'enlever juste en cas. Juste en cas, man. This'll come in handy. C'est à peu près temps. Ah ben, c'est des bottes de marche. Ils sont considérés corrects. Alors, des bottes de randonnée robustes, conçues pour de longs trajets sur terrain rocailleux. Elles sont dotées d'une tige en cuir et reposent sur une lourde semelle en caoutchouc. I might have to drop some gear. Ouais, mais t'es un peu là. T'échappes rien, là, bordel. T'es dans la maison, là. Tu vois, tu comme la casquette que je viens de prendre, là, généralement, là, je la prendrais pas.
Tu comprends? Mais là, je vais l'apprendre parce que, un, je suis, ben, comme à l'endroit où est-ce que je vais faire, si tu veux, une base, right? Non. Fait que, donc, ça, c'est correct. Et puis, deux, oui, si je sais que si je la déchire, il n'y a rien, hein? Non. Si je la déchire, ben, c'est sûr et certain que je vais obtenir boîte en carton qui passe en travers le mur. Ouais, que je vais obtenir du tissu. Ok, fait qu'il me restera cette chambre ici. Celle-là ici. Je vais aller déposer un peu mes affaires. Donc on y va ici. Ça. Ça. Ok, ça. Ça. I would drink almost anything about now. Ben oui, hein. Si tu veux, beau gars. 12. Ça, je les garde. Tiens, celle-là aussi. Ok, ça, je vais garder. Ça, ça, ça. Ça, c'est bon. Ok, ça ici. Bon, ça, on va le garder en attendant. Ok, ça, on va le déchirer, mais pas tout de suite. Chaussettes de sport, parce que là, maintenant, j'ai deux chaussettes, de laine. Fait que ça, c'est bon. Ok. Nourriture. Ok, pas tout de suite. Rush ça. Ça, je n'aurai besoin pour le fusil. Ok. Tiens. Moi, tu sais quoi? Moi, t'écouter ce fois-ci. Je vais les mettre dans les armoires ici. Ils ont été plus vite. C'est vrai que c'est plus vite. Je ne. Vois-tu, le double clic que tu me parlais, là, j'en étais vraiment pas au courant. Alors, tu vois que moi, quand je buvais d'ici... Oups, un peu. Tu sais, fait que quand je m'en vais dans mon inventaire, puis bon, tu sais, je clique boire, là. Mais toi, tu disais double clic. Mais sais-tu pourquoi que j'en étais pas trop certain? Parce que, généralement, je le prends de ça ici. Alors, c'est peut-être un peu cette habitude-là, si tu veux. Ok, donc on va partir et on va partir. Je voudrais que je me trouve quelque chose un peu plus chaud. Parce que honnêtement, 8%, c'est bon. Si je veux aller à la station d'essence de Orca. Ce serait bon de trouver... Bon, tu sais, comme ça. C'est pas grand-chose, mais écoute, c'est mieux que rien, man. Ah, puis je vois une balle en dessous. Ah, ça, c'est pour le revolver que j'ai toujours pas trouvé. L'avez-vous trouvé, vous autres, le revolver? Puis si oui, il est où? Il est-tu quelque part dans Milton? Qui me surprendrait énormément, mais on sait jamais. Bon, ok. Ça c'est fait, parfait. Qu'est-ce que j'ai? Ok, et puis ben, la seule et unique balle là, que j'ai vraiment pas de besoin. Là. Checker aussi la qualité du fusil.
Excellent. Il est à 100%. C'est valable, par contre, j'ai pas les compétences pour. Bon. J'ai-tu mis ma chemise? T'as pas grand-chose, hein, mais... Non. Ça, c'est intérieur. Ça, c'est intérieur. On va le porter. Il est là-bas. Tu le vois-tu? Mais il y en a juste un, par contre. Aïe, aïe. Chaussettes d'escalade. Je pense qu'ils sont plus chauds, les autres, non? Alors, point 4, puis point 3, puis ils sont pas réparés. On va voir. Hein. Ah, come on. Ok, ils sont à 89%. Point 9. Ouais. Point 5. Point 4. Tiens. Fait que si on peut en trouver un autre. Ça c'est fouillé. Ça c'est descendu. Une casquette que je veux pas rien savoir de. Une deuxième casquette, man. Ici, c'est combien ça? Bah, c'est pas trop pire, c'est 95%. Tellement comique parce que des fois tu trouves les tasses de café dans les micro-ondes. This food. Oh, je pense que jouer d'autres chaussettes. Comment qu'ils appellent ça? D'escalade. À 75%. Alors, les pieds au chaud là, mon homme.
Oh, là, il commence à faire noir. Tu dois pas voir grand-chose, mon ami. Ok, je pense qu'il me reste deux armoires à vérifier. I can always use more food. As-tu garde à 28%? J'y touche pas, celle-là. This food. 31%. Ah. Ok, mais c'est-tu quoi? Je vais la manger tout de suite. Encore, comme ça. Écoute, première journée, si je pogne des parasites. Ok, il va sortir là, parce que je sais que tu vois pas grand-chose, comme absolument rien. C'est mieux, hein? Ok, je vais essayer de me rendre à la station de service Orca. Parce que si je suis chanceux, on peut peut-être avoir la lanterne. Lanternon. Cette chance. Ah oui! J'ai-tu la puanteur, non? Excuse, j'ai comme pesé le mauvais piton. Ici, je pense. Ouais, j'ai la peau de lapin séchée. Mais ça donne pas de puanteur. Ok. Elle est pas brûlée, ça c'est bon. Oh oh. Oh non, il y en a une autre en avant, je cours. Ok, ça c'est correct. J'avais qu'en passant par là qui était pour comme lâcher le focus sur moi puis avoir le focus plus sur le lapin. Ah, la maison avec le drapeau canadien. Le problème, c'est que c'est ça, je peux pas te faire voir qu'est-ce qui est dedans. Ok, est-ce que tu penses que je vais être capable de m'y rendre? Le loup est là-bas, mais ça se peut très très bien que je sois dans son champ de vision. Ouais, j'avais dit, hein? Bon. Hop, les allumettes. Could end up being useful. Les allumettes. En tout cas. Puis tu sais, quand tu commences, quand tu débutes ton jeu dans le mode intrus. Oh, j'ai oublié la barre de chocolat avant. C'est qu'il y en a même pas d'allumettes. Mais tu vas en trouver là, mais. Comme très, tiens. Très rarement. Ok, laisse-moi regarder un peu là, puis
Mais sais-tu quoi? J'ai beaucoup d'allumettes, hein? Tiens, que je t'avais dit. 0.54 litres. Eh oui, on va la prendre. Jette-moi ça, mon ami. Ok. Là, on parle. Ça. Ça, non. Allô? Not sure why I feel so tired. Ouais, il était peu là. Hein? Feel so tired. T'as un lit en arrière, on va aller se coucher après ça. Ouais, pas vraiment, mais en tout cas. Ah ben, sais-tu quoi? Peut-être. Il y a peut-être raison. Sais-tu pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir ça, c'est quoi? C'est 0.3? Ben, 0.3. 0.25? 0.26, parce qu'il est mouillé. Ouais. La boisson énergisante. Apparemment, dans une de leurs dernières patchs que j'ai vu passer, je pense que c'est la semaine passée, ils ont corrigé. Ouvrir le conteneur vide. Ils ont corrigé justement cette. Ça te donnait des mots de tête. Ben, c'est qu'est-ce qu'ils annoncent là. Tu sais que ça te donne des mots de tête. Et puis. Mais c'était. Tu pouvais pas te guérir du mot de tête. Tu comprends? Ok, je pense qu'ils ont lancé une patch pour régler ce problème là. C'est fait, non. Ah, absolument, il y a le café ici. Il n'y a pas de café. Il y a beaucoup de barres de céréales, puis barres de chocolat, puis ainsi de suite. Hein? I could use this. Ouais. 4 touches, j'en ai 10. Hey, j'ai-tu hâte même de le trouver, ce fameux revolver-là? Limonade canadienne. J'en ai parlé hein, la semaine passée. Pourquoi je te dis c'est la limonade canadienne? Alright. Ok. Un autre sac à couchage. Lui, il est quoi? Il est 81%. Le mien. 84%. Ok. On a du bois. On a ci. On a ça. Mais j'ai rien à faire cuire. Ah non, ben non, c'est vrai, les cannes de nourriture à toutou ne se font pas cuire. On a des pêches. Et puis ça c'est. Ouais, c'est ça. C'est toute nourriture pour chien. À l'exception pêche au sirop en bon état. Fait que peut-être que je pourrais me faire ça demain matin avant de partir. Fait que là-dessus, mes chers amis, je vais vous dire pour économiser un peu l'huile que j'ai dans ma lampe. Alors, je vous dis un grand merci d'avoir participé avec moi à ce jeu. Mon nom est Monsieur Doob. Ce jeu, The Long Dark. Alors, on se voit demain matin.